Alors, yo tout le monde, c'est Noah, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Bloxfruit. Comment avoir l'épée des Warden. Voilà, c'est cette épée. Elle ressemble un peu à la Darkblade. Elle est franchement pas mal. Je vais vous montrer les attaques. La première attaque, c'est ça. Et la deuxième attaque, c'est une grosse tornade, voilà. Du coup, enfin une petite tornade plutôt. Du coup, pour avoir cette épée, c'est simple. C'est une épée du premier monde. Du coup, bah, il faut être premier monde. Bah, tout le monde est premier monde, normalement. Du coup, pour avoir cette épée, il faut aller à la prison. Là-bas, voilà. À côté de. Voilà, entre la fontaine. On voit des petits. Vous allez y aller. Hop. Je vais passer ce moment pour voilà. Vous y allez rapidement. Attendez. Hop là, du coup, comme je disais, vous devez aller à la prison, voilà. Vous y allez vite. Bon, il faut. Moi j'ai Ouda, du coup, c'est pas très pratique pour. Du coup, une fois arrivé à la prison, vous devez battre ce boss. Celui-là. Lui-là. Comme vous le voyez, il a l'épée. Il a l'épée de. Du coup, vous allez le battre. Hop. Hop, hop. Je vous conseille d'être au niveau pour bon. Voilà, une fois battu, c'est pas sûr qui vous donne l'épée. Au moment où vous aurez tué l'outil. Du coup, c'est pas sûr qui vous donne l'épée. Du coup, faudra changer de serveur, etc. Alors. Ce boss là, je sais pas s'il nous donne une épée, faudrait voir. Mais en tout cas, lui, si vous avez de la chance, il pourra vous donner l'épée des Warden. Et si vous l'avez pas, bah, il faudra changer de serveur, etc. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.